Kid, it's no simple feat to control the Aegis like that. However... En tout cas, salut à tous, c'est Psy, j'espère que vous bien, moi ça se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play sur Xenoblade Chronicles 2, donc l'épisode 4. Donc voilà, non. La vidéo avait coupé à cause de manque de place de mon téléphone. En même temps, c'est normal vu que j'avais fait 3 vidéos, mais contrairement à d'habitude, genre les vidéos c'était genre entre 21 et 23 minutes, genre ils étaient tous à peu près à 26 minutes. Mais voilà. Donc, j'ai battu Malos hors caméra, donc là je vous montre la cinématique, mais depuis les options, voilà. Parce que bon, on peut regarder les cinématiques de nouveau comme on veut. De toute façon, bah, c'est une bonne idée pour ce jeu, vu que les cinématiques sont super. En tout cas. Non, je me tiens au programme que je me suis fixé. Monte un petit peu le son. Voilà, en tout cas, ce que je prévois, c'est genre le samedi, je sors peut-être 2-3 vidéos sur Xenoblade Chronicles 2. Et durant la semaine, je pourrais sortir au moins une vidéo de Xenoblade Chronicles 2. Et. Une vidéo de Saint Clair's World et Pokémon Greg. J'adore cette musique. Mais bon. En tout cas, au moins, j'avance beaucoup sur Xenoblade Chronicles 2, j'avance au moins un petit peu dans les autres explays. J'adore cette cinématique. Vu la capacité de place de mon téléphone portable, je crois que je vais devoir. Je peux au moins faire 2 vidéos de 26 minutes, ça à part de ça, au moins 25, 24, 4, 25. Attends, on avait une petite vue du cul de Pyra. Et Nia. Ah bah voilà, on a le cul de Nia. Il faut vraiment un animé là-dessus, ou un film, mais plus un animé, vu que enfin, ça pourrait faire un très bon animé. Ah, papy. Ouais, il les connaît déjà. Eux qui ont déjà joué au jeu le savent, moi aussi. Normalement, je crois pas qu'ils parlent du fait qu'ils sont déjà rencontrés dans le jeu, mais je sais que dans Golden Country, ils en parlent. En fait, ça me choque parce qu'en fait, je savais pas du tout qu'il y avait des ailes en fait à ce genre-là. Bah, la première fois que. Bah, je veux dire. Bah, je savais, mais je veux dire. La première fois que tu vas à ce genre-là, comment tu fais pour voir ses ailes, genre, sans ses ailes? Est-ce que Rex au moins savait à propos de ses ailes? Je sais pas. J'adore cette musique. C'est vrai que je trouve cette OST sur YouTube, je l'avais dans la playlist de musique.
Parce que ouais, je me suis fait une liste de lecture de musique et chansons que j'aime. Mais je l'ai mis en privé parce que bon, quand même. Et j'ai vraiment hâte de voir combien d'épisodes je peux durer sur Blade Chronicles 2. Chapitre 1, rencontre. Ok. Et voilà, mon train de taper en train de descendre, what the fuck. Oublie pas qu'il y a de la gravité, mon mec. Bon, en tout cas, je crois que c'est la fin de la cinématique. Donc, ouais, bon, du coup, je vais retourner au jeu. À tout de suite. Bon, voilà. Du coup, là, on est de retour au jeu. Bon, ça aurait été une cinématique pas trop importante. Je n'aurais peut-être pas montré, mais. C'est une cinématique quand même assez importante pour l'histoire, du coup je voulais la montrer. Ok. Pourquoi tout d'un coup les temps de chargement sont longs? Donc chapitre 2, aptitude. Ok. Wow. Même pas capable de mourir, ouais. Cinématique, c'est genre voilà, si je... même si c'est pas en cinématique, mais même en cinématique, si tu touches pas un bouton de la manette pendant un bon bout de temps, l'écran va devenir sombre, mais pas durant la cinématique, genre après la cinématique, l'écran va être sombre. Je sais pas, je trouve ça drôle un peu la manière qui dit ma. En fait, faudrait que je refasse une vidéo à ma collection d'amiibo parce que, en fait, ma collection va grandir. Non. Déjà, Palutena qu'on voit pas dans ma vidéo et on a quelques-uns qui arrivent. Il y a lui de Corinne, lui de Cloud, Roy, Shulk et Pit Maléfique que j'ai commandé. Désolé si j'ai pas pu vous montrer le combat au complet. Malos, mais bon. And selling them on to the Dunderheads back in Morardane. Absolutely sublime. Baron did not call to hear pointless flattery. And blubbering about core crystals on an unsecured line? Is Dougal some kind of idiot? What if Indor tap our communication? Oh, I'm very dans l'histoire, est-ce que les deux font alliance en. Moi, je crois qu'ils font alliance et font pas. Je sais pas, au début, je me posais la question, genre, est-ce qu'ils sont ennemis eux ou ils font équipe? Ils ont l'air méchants tous les deux, ils ont l'air un d'eux. Est-ce que t'en veux? Ouais, je crois qu'ils sont vraiment. Bah, de toute façon. Ils ont. Je crois que c'est Argentium qui s'appelle, bah, je sais plus. Bah. Aucun okay, était au début du jeu, quoi. Je crois pas qu'il y ait vraiment rien. Mais les autres pays sont tout en guerre. Dromarche est vivant aussi. Hey, les amoureux du Falin. Allez. Tous eux qui aiment les Falins, allez, en commentaire, allez. Guitarex, oubliez pas Dromarche. Ok. Bon, contrairement à la cinématique de début de la première épisode, là, ça n'a pas été trop lent. 15 minutes, 10 minutes.
Ouais, faut retrouver, puis voilà, faut se préparer, voilà. Ça nous explique un petit peu les combats, tous les trucs. Pourquoi à chaque fois que j'appuie sur plus, j'appuie tout le temps sur B? On a eu le menu de l'âme. Non, on l'a pas encore eu. Ah non, maintenant on n'a pas Eranon, qui est à 5 couronnes. 5 couronnes, c'est les rares. Et surtout eux qui sont plus badass. Alors, on peut améliorer en montant des niveaux, des trucs comme ça. En faisant certaines choses, tu peux avoir des trucs comme des compétences de terrain, ce qu'on verra plus tard. Maîtrise du feu, concentration, cœur d'enjeu. Ouais. Ici, il faut augmenter notre confiance pour avoir encore plus d'amélioration. Et pour avancer dans le jeu, des fois, c'est important de faire ça. Ici, on peut améliorer la lame pour qu'elle soit plus forte. Ah ouais, déjà, celle-là est plus puissante. L'attaque frappe roulée. Bon, je vais enlever Taillade pour mettre frappe roulée parce que, en tout cas, perso, je trouve frappe roulée plus efficace. Celle-là aussi est plus efficace. Et le grappin, ben, c'est bien pour nous redonner des PV, surtout que nous, on est plus des lames attaque parce que il y a trois types de lames. Il y a des lames d'attaque et les lames de défense. Non, 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 attends. Je crois que j'ai essayé d'obtenir au moins cette amélioration-là. Permet d'utiliser l'art du pilote assigné au bouton X dès le début du combat. Ça serait cool. Bouton A, c'est grappin. Bah, je peux aussi le changer, mais pour l'instant, c'est grappin. Donc, il faut qu'on cherche Papy dans la forêt. Ok, non. Il y a Pyra qui nous suit. Voilà, ça nous parle du sociogramme, tout ça. Ça que je vous ai montré tout à l'heure. En tout cas, on va essayer de buter des ennemis, un petit peu. Le marais Wreck. Non, mais allez, touche-le! En vrai. Voilà. En fait, il y a un truc que je vais expliquer, mais je m'en rappelle plus du tout. Ouais, ça, parfois, t'es obligé d'avoir des compétences de terrain pour pouvoir avancer dans le jeu. Parfois, même, c'est obligatoire. Exemple, Pyra, la maîtrise du feu, c'est genre, parfois, tu peux, genre, lui détruire, tout ça. Cordon bleu, je crois que c'était pour faire de la cuisine. Voilà, en niveau 6. Et concentration, je crois que c'est pour faire certaines choses. Bon, on va pas buter tous les ennemis de la zone, mais bon. On va en buter un petit peu. On va attaquer lui, Gara Fabillon. Je sais pas, je trouve ça bizarre. De toute façon, qu'il attaque, c'est genre, il lève la patte. Genre, 1. Allez, tourbillon double. Et on va faire la frappe roulée. Ah, parfois, je crois qu'elle peut bloquer une attaque, je crois, les lames. Double spinning egg. Bon, Malo, c'est plutôt facile à battre. Sauf quand tu jouais pour la première fois. Quand tu joues pour la première fois, t'es un noob, comme moi. La première fois, genre vraiment. Je savais pas du tout comment utiliser les lames des pilotes. Les attaques spéciales des pilotes. Donc, du coup, moi, je suis juste en train de spammer le bouton A en essayant de l'attaquer, en essayant d'esquiver. Au pire, on peut essayer d'affronter que les ennemis qui ont l'air quand même un minimum fort. Bah, si je serais pas en vidéo, je les buterais tous, mais. Comme la génocide. Là, j'ai pas envie de perdre trop de temps à tuer des ennemis. Sinon, on n'avancerait pas du tout en un épisode. Même vu qu'on est déjà 14 minutes et j'ai pas fait grand chose, je crois vraiment que. Ouais, on va pas très avancer. Peut-être les endroits où que je peux avancer, ça sert à rien de montrer en vidéo, bah je pourrais avancer hors caméra, mais. Ah, en faisant comme ça, je peux tout esquiver. Poids électrique. Pourquoi j'ai l'impression d'entendre Elector là, quand il clique comme ça? Bah, vu qu'on est 15 minutes, je crois qu'on bute lui, après on va continuer un petit peu. Allez, fais chaleur, toi. Voilà.
Ok. Bon, on va essayer d'avancer un petit peu au lieu de buter plein de monde. Bah, on peut quand même essayer de buter lui. Peut-être la grenouille là-bas aussi. Et en plus, on fait beau feu. Mais il devenait quoi? Paira et feu. Ouais. Ça, c'est cool. Ok. Ah, cinématique. Du coup, on ne pourra pas affronter la grenouille tout de suite. Ah, je me rappelle cette cinématique-là, c'est du troll. Vous allez voir. Vous allez voir, c'est une cinématique triste, mais vous allez voir le troll. Vous voyez, et on voit, il est en train de disparaître, là, en train de mourir. Là. Voilà, la première fois que vous voyez cette cinématique, vous êtes en train de verser des larmes, genre, ah non, il est en train de mourir, le... Non. Ah. Putain, même tout de suite, je suis en train de pleurer, putain. What the fuck? Pleure pas, tu sais que c'est un troll. Vous allez voir, regardez. En vrai, il a disparu, il est mort. Voilà, on est genre what the fuck. Ah, c'est bon, vous avez tous les larmes à l'œil. Attends, vous allez voir, le troll arrive là. Attention, et voilà le troll. Il est pas mort. Boom. Maintenant, c'est devenu une boule de poil poilu. Il est mignon. Cette partie cinématique là, vous êtes en train de vous dire ok, j'ai passé de la tristesse à du what the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer? Oui, mais partout j'ai chaud. Boude pas Rex, il est vivant. Faut pas pleurer devant Pyra. Par contre, dans le jeu Xenoblade Chronicles 2, on peut pas faire des sauvegardes vidéo. Regardez, si j'essaye. Impossible de capturer les vidéos avec ce logiciel. C'est pareil pour Golden Country. Par contre, Pokémon Let's Go, j'ai jamais essayé. Just what happened to you? I'll tell you later.
Ah bah en fait, je peux... D'accord, mais c'est sans casque. Voilà, on se souvient, Rex est mort, Pyra l'a ressuscité. Voilà. Ok, donc là faut retrouver Nia. Explore la forêt pour retrouver Nia et Dromarche. Voilà, là on dit qu'il y a Dromarche. C'est pas comme tout à l'heure, genre il disait bon, faut trouver Papy et Nia là. Alors là au moins on parle de Dromarche. Qu'on va tuer Lapid Claqueur. Faut faire attention, on est juste un seul pilote. Ah d'accord, l'autre était pas du tout dans le combat. Bon, finalement, l'autre a regardé son frère se faire tuer. Ou sa mère, ou son père, je sais pas. Contrairement à un Pokémon, il n'y a pas de sexe. Bon. Ok. L'oiseau, on va pas l'attaquer pour quand même avancer un petit peu. Voilà, là, ça nous expliquait les points de récupération. Non, les points de collecte. Les points de collecte. Pas les points de récupération, les points de collecte. Voilà, ça me donne du bois mystère, ok. Je crois que du bois mystère, on en aura besoin plus tard. Ok, la sorte d'oiseau, on va pas l'attaquer. Sauf si elle nous attaque. Alors, on va attaquer le lapin. Ah, mon chat vient juste ouvrir la porte. Ok, c'est dans ma chambre, tu sors pas de ma chambre. Je veux pas me lever à tous les deux secondes. Enfin, j'avais compris pourquoi il appelle Papy ou Grams. Genre pourquoi, faudrait avoir l'histoire là, le background de ça. Ok. Bon, je veux dire, au moins j'entraîne un petit peu plus qu'avant. Ah voilà, le pan de pionnier. Okay. Ah ouais, là on va voir les compétences de terrain, je vous montrerai. On fait ça, boum. Pyra maîtrise du feu, et ça nous débloque le chemin. Mais étrangement, dans le jeu, on n'a pas vraiment vu beaucoup de scènes comme ça. Voilà, il manque un truc. Voilà. C'est très facile à comprendre. Même s'il y avait quelques trucs que je comprenais pas trop, mais je comprenais quand même. Il y a un autre point de collecte, donc on va le récolter. Hop. On coûte du bois fantôme. Ah bah là, c'est pas du tout Halloween qui arrive, c'est Noël. Ah. On est un mois en retard. Putain. J'aurais tellement dû commencer l'explore en octobre, là, comme ça, on aurait pu avoir la forêt fantôme. Ceux-là ont l'air de donner quand même assez d'XP, donc. Voilà, même pas besoin d'utiliser d'arts spéciaux. Bon, je vais au moins essayer de retrouver Nia avant la fin de la vidéo. Est-ce que mon téléphone est encore en train de descendre là? Arrête de descendre. Et bien sûr, c'est Nia et Dromarche, voilà. Ah, est-ce que c'est les grenouilles genre qui est faible au feu? C'est ça, bah c'est la honte un petit peu de se l'avoir fait attaquer par ça. Et bonne avis du combat. Donc là on est deux, voilà seulement voilà les faiblesses. Ah ouais, il me demande de faire le truc une fois. Ouais, ça je crois que ça peut recharger un petit peu les trucs de mon coéquipier. Et on a un truc en haut, je crois, pour booster le truc. Bah, clairement, plus ça joue, je sais pas. Allez, je refais une autre fois. Boum, voilà. Peut-être. Indeed.
Seriously, it's good to see you. And you're all right. Right back at you. Hey, by the way, what happened to the big guy who saved us? The Titan? Are you talking about me? Wait, what? How? That's sort of a long story. Let's get somewhere we can rest. I'll tell you all about it then. That seems prudent, my lady. Sure, lead the way. I see. So you two are off to Elysium. Listen, I never thanked you properly. For saving us, I mean. Dromark said that you carried us all the way here. We owe you our lives, Titan. No need to thank me. After all, you were the ones who saved Rix. Don't mention it. So, you Titans can regenerate. Pretty handy. This isn't something just any old Titan can... You can retire that line now. Excuse me. I'd like less of that attitude. If you had listened to me and declined that reckless talk to begin with, we wouldn't be in this mess. Take a nap, you said. Like I was some kind of doddery old man. Okay, okay, I get it. I'm a terrible disappointment. Look how sorry I am. Can you not muster even a shred of sincere remorse? Sorry, but I can't. What? If I hadn't taken the job, they'd have got their hands on Pyra. Rex. I couldn't let that happen. No way. C'est là qu'on voit que genre il y a genre un errant shipping qui arrive entre ces deux là. Ouais, que c'est pas grave. Il y a juste une heure qu'on dirait qu'il flotte sur Dromarche en fait. Pourquoi elle adore ce Dromarche? Pourquoi pas juste à côté dessus? Likewise. Though you've changed a lot since last we met, Ira. D'accord, un manchat qui projette à la télé. A lot's happened. Bon, je crois pas qu'on va le voir en vidéo. Yes, yes. I wanted to thank you for saving my dear Rex. And I need to know what you told him. Is that what you really intend? Yes, it is my true desire. I see. Well, that's good enough. I have no reason to doubt you, Ira. That said, I do have one other goal now. Jin and Malos. I cannot allow them to continue with their current course. Never changes. Right. And you're going to get Rex mixed up in this? I'm not blaming you. No matter how hard you tried, that boy would find some way to get involved. Oh putain, 29 minutes. Je crois que ça va faire une très longue vidéo, ça. En 3, 2, 1, 30 minutes. Oh my god. C'est très rare que, même presque pas du tout, je fais jamais ce genre de vidéo à 30 minutes. Right then. We
should probably try and find a town or something. Does anyone have any idea where we are? This is Gormod, a province of the Ardanian Empire. You must have seen the Gormos Titan before. Yeah, only from a distance, though. We're somewhere around its belly. So, this is Gormod, huh? Hang on a second. Mia, your ears. Are you Gormoti? Well done, genius. Took you long enough. Gormod is the land of my lady's birth. Wow. Well, that's reassuring. If we want to find a town, the first step is to get out of this forest. Keep heading up, and we'll hit the plains soon. The town's that way. Brilliant. Let's get going. Bon, ce que je propose, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Hors caméra, je vais faire le chemin pour se rendre jusqu'à la ville de Gormod. S'il y a jamais une cinématique intéressante, je vous la montrerai. Mais s'il n'y en a pas du tout des intéressantes, ben je ne les montrerai pas vu que ça apporte rien à l'histoire. En tout cas, ce que je propose, on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas, si vous avez un pouce bleu, le commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et bye.